Bonjour, il est 7h à New York, 12h à Paris, 20h à Tokyo. C'est l'IAT Market News. Je vous propose, comme d'habitude, les nouvelles compactées en 2 minutes. Commençons tout de suite par toujours faire attention à l'avertissement du risque, prendre conscience que le risque fait partie intégrante du trading. Et puis regardons le point de tout le monde en parle, le chart et le calendrier du jour. Avec tout de suite un rappel avec l'IAT Magazine. Rappelez-vous, chaque mercredi, nous prenons le temps pour un sujet qui nous paraît important ou qui nous paraît intéressant. Il est déjà sur la chaîne IAT TV. La Fed et la BCE main dans la main, on peut voir que pour rassurer les marchés, Fabio Panetta après Lea Brainard. Fabio Panetta, membre de la BCE, a déclaré mercredi qu'une discussion sur la réduction des achats d'actifs à partir de juin était encore prématurée. Bien, il rejoint en cela les propos tenus par sa présidente, Christine Lagarde. Aussi, les marchés suivront avec attention l'indice des prix PCE, ce sera vendredi. À bien faire attention également. Cet indicateur exclut les éléments les plus volatiles que sont les dépenses d'alimentation et d'énergie. C'est un indice qui va mesurer l'inflation et qui est souvent privilégié d'ailleurs par la Fed. Donc les investisseurs auront vraiment un œil, une attention toute particulière sur cet indice. Aussi, l'inquiétude de l'inflation qui est la crainte numéro un des investisseurs. Tout le monde en parle, c'est le pétrole aujourd'hui. Le pétrole qui devrait certainement être plus haut que ce qu'il ne l'est en ce moment. Comme l'ensemble des matières premières, mais elle a une petite hausse, mais les inquiétudes concernant une augmentation de l'offre iranienne compensent l'optimisme sur le pétrole dû à une grosse offre qui pourrait arriver sur le marché. Cela pourrait ralentir la hausse du prix, donc le pétrole est en hausse, mais modérément. L'Iran brouille les cartes. Le chart of the day, c'est l'Australian dollar, New Zealand dollar, où l'on peut voir justement que sur ce marché, le breakout est intervenu. On peut voir ici ceci, on avait vu que les choses allaient et gentiment évolué ou pouvait évoluer. Nous avons également eh bien un triangle. On peut prendre une zone de résistance et on voit qu'on a une zone de résistance sur le marché, une zone de support et le marché a cassé. On le dit très souvent, le marché a besoin de respirer, de reprendre de l'air. Comme un nageur qui reste sous l'eau trop longtemps, il a besoin de respirer. N'hésitez pas à suivre nos cours également pour mieux vous repérer sur les marchés, comme nous le disions très souvent. Le calendrier, ce mercredi, c'est l'inventaire des stocks du pétrole, justement, on en a parlé. La deuxième estimation du PIB des USA, ça sera pour demain, avec les inscriptions au chômage, et puis surtout, eh bien, le corps PCE qui sera aux USA à 14h30 vendredi pour mesurer cette fameuse inflation. Voilà, bonne journée, de bonnes affaires à tous. Je vous propose de nous retrouver demain. N'oubliez pas, l'IAT Magazine, aujourd'hui, demain. Je vous retrouve à midi, heure de Paris. Merci, au revoir.